Alors les hôtesses sont là pour vous proposer l'ouvrage. Un ouvrage riche. On va dire une source pour tous ceux-là qui veulent aller puiser dans la connaissance même du peuple ordinaire. Alors, on va y aller un tout petit peu en ordre, s'il vous plaît, un tout petit peu en ordre. Faire dédicacer son ouvrage et rejoindre son siège, vous en prie. Voilà, pendant le prince de la grande rivière et pour Pénzibé du Cameroun, c'est l'ouvrage que le professeur Charles Mina Picoy est en train de dédicacer ce soir. Nous apprenons à l'instant que monsieur le maire de Minourou offre gracieusement 4 exemplaires du dit ouvrage à quelques personnalités, aux 4 maires, voilà, qui sont venus précisément. On peut apercevoir monsieur le sous-préfet tenir fermement son ouvrage. On sait combien il est un homme de lecture. Nous allons inviter l'équipe du Saint-Thomas à procéder à la remise des prix prévus pour nos hôtes de marque ce soir. Bien pouvoir rapporter déjà, nous en prions, les différents prix, on va dire, les différents présents pour nos invités de marque. Et leur remettre afin que nous puissions gagner en temps également. Entre autres bonnes nouvelles ce soir, nous apprenons que l'artiste Roméo Ntoulo, dont on a dégusté la science musicale tout à l'heure à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, offre gracieusement des CD dédicacés de son tout nouveau bébé. Nous disons un grand merci à toute l'équipe de ce grand artiste, un valeureux représentant de la région du Soleil Levant et de la culture musicale camerounaise, tout simplement. Il y a les CD, 5 titres qui ont été faits sur un CD qui sont dans la forme de Marcy. À travers cet ouvrage, ceux qui le rompront par anticipation découvrent ce qu'il y a dans le projet. Et voilà, c'est un petit village. On compte, au niveau du label, en faire une star à l'international. Parce que voilà, Roméo Ntoulo, c'est un talent immense, impossible à définir. En termes de répertoire, il est hyper. On va peut-être appeler la date de la conférence et puis la date de la sortie du prochain album. Oui, je rappelle, la conférence de presse, elle est prévue pour le 7 janvier. Du peuple cordillère. Écoutez Roméo Ntoulo dans votre véhicule, c'est pas trop. Écoutez Roméo Ntoulo dans votre téléphone, partout où vous allez, c'est pas trop non plus. C'est également cela, encourager la culture. Comme nous vous encourageons ce soir, dans quelques instants seulement, est-ce que nous pouvons avoir ici l'équipe du Cerro-Tola, s'il vous plaît? Un membre de l'équipe du Cerro-Tola, ici à la cabine technique, nous vous en prions.
frères de Centrafrique, les frères du Gabon, de l'Ogadouma. Donc juste après la dédicace, vous rejoignez votre siège, nous en prions, pour pouvoir écouter nos frères du Congo et du Gabon dans des présentations qui mettront chacune 10 minutes maximum. Donc, vous pouvez lire ce que l'auteur a écrit dans votre livre et vous pourrez aussi vous comparer cela avec ce qui a été écrit dans d'autres ouvrages par le même auteur. Vous percevrez la magie dont nous vous parlons ce soir. Vraiment, le prince de la grande rivière et pompé Zimé du Cameroun. Ouvrage que signe le professeur Charles Vignan Picoy, un ouvrage paru aux éditions Cartala. Voilà, donc un ouvrage que vous pouvez avoir ce soir juste en acceptant la proposition des hôtesses. Beaucoup de cadeaux pour est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui n'a pas encore fait dédicacer son ouvrage, s'il vous plaît? Plus personne. Merci beaucoup. Nous allons peut-être prendre le dernier mot, pourquoi pas, du professeur, avant de passer aux deux exposés suivants. J'invite déjà le représentant de la communauté du Gabon et celui de la communauté du Congo à s'approcher de la table, parce que vous aurez également le privilège de recevoir de petits présents de la main de M. le secrétaire exécutif du CERD Ottawa. Alors, un petit mot, professeur. Je parle donc ce soir en vous disant que c'est la toute première fois que je fais la dédicace à ce livre en public. Et je pense que c'est un juste retour aux sources. Parce qu'il faut que les choses reviennent à ceux qui en sont les propriétaires avant d'aller vers d'autres pour enrichir le patrimoine de la terre entière. Donc merci d'avoir organisé cette séance et une fois de plus, que vive l'initiative qui a vu le jour ici aujourd'hui, que vive Colinop. Je vous remercie. Le Saint Nicolas a bien voulu offrir aux représentants des communautés sœurs le Gabon, le Congo et bien sûr la République centrafricaine. Mais comme ce sont le Congo et le Gabon qui sont sur la scène juste après, ils vont recevoir leur petit paquet sous vos applaudissements aussi. C'est l'occasion de remercier tous ces grands partenaires
du Festival des Peuples Ordinaires, première édition. C'est le moment de leur exprimer notre gratitude. Séquence photo.